Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, bah du coup, on continue le Dead Island 2. Voilà, alors du coup, on va reprendre la quête principale, comme je vous l'ai dit à la fin de la précédente session. Et concernant donc la quête là qu'on avait commencé, ou le clean and le clash, le snatch, pardon. Où ils disent qu'il faut trouver la piscine. En fait, bah, du coup, j'ai regardé sur internet pour savoir confirmer si c'était bien ce que je pensais. Et oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est dans la zone précédente. En fait, faut retourner dans la zone précédente pour terminer cette quête. Donc, on la terminera bah, quand on retournera dans la zone précédente. Et puis, du coup, on va aller s'occuper de celle-là pour l'instant. Mercurochron. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Voilà. Donc du coup, en fait, à la base, normalement, pour l'activer, il a récupéré la note qui était là. Sauf qu'en passant la porte là-haut, en fait, ça m'a... Comment dire? Ça m'a... En passant la porte là-haut, ça m'a en fait fait récupérer la note automatiquement et ça m'a fait avancer la quête. Donc ça, franchement, c'est un peu spécial comme façon de faire. Mais bon, du coup voilà, vu qu'on a activé la suite de la quête, l'étape suivante d'aller voir ce que c'est que le vacarme, on va aller le faire. Il est où mon katana aussi là? J'aimerais bien tester mon petit katana. Il est où? Ah, mais il est là avec. Ouais tiens. Un truc qui est un peu chiant, c'est que les portes on peut pas les refermer. Du coup là j'aurais bien voulu fermer la porte une fois que j'avais passé la grille, comme ça j'aurais été tranquille. Ouais puis du coup on va croiser les doigts pour pas qu'on ait de problème technique. Le jeu revienne pas à planter. La flotte électrifiée ou électrisée, je sais pas comment on dit. Non, y a du monde. Looks like Jessie played her own set at Zomfest. Bet the crowd went wild. Allez les zombies, venez par là. Un peu mieux quand même. Jessie must have used this ladder to get up and threw it back down. Fenner! Traps! Better watch. Il y avait un piège. J'ai bien fait de m'écarter sur le côté au moment où j'ai ouvert la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
survivant au pillage de nombreuses zones de LA avec des dispositifs très dangereux. Alors restez sur X à côté d'un piège pour les amortir. Smart friends that girl has. Mr. Construction and Co. Anyone? Okay. Now what? Mm-hmm. Un beau petit piège là. People, I could be dying down here. Where is everyone? And the stairs are electrified. Ouais. And les escaliers qui sont électrifiés. Oula, le gros là-bas, c'est sûr qu'il a envie. Ouais, du coup, c'est un peu dommage, je trouve, c'est qu'en fait, là, l'intérieur, ça ressemble à l'intérieur de l'autre maison, la maison de Curtis. C'est-à-dire qu'ils ont fait du copier-coller, quoi, de zone. Relever lui, mais non. Les autres, pas les deux plis. Ouais, il y a un autre. C'est à jouer efficace. Help! Anyone? This beat's really pulling the crowds. Fort là, clé du chef du chantier. C'est pas celui qu'on a tué là. Non. Je vérifie aussi à l'étage inférieur, il y avait une autre porte qui menait à une autre partie de la villa. Je vais vérifier. Was fun while it lasted. Hello, you. Sure glad you showed up. Un petit plan construction. Mode mutilateur corps à corps donne un bonus mineur aux dégâts physiques. Les coups successifs appliquent aussi l'effet affaibli. Toucher un zombie affaibli restant en endurance.
réparer nos trucs. I'm Jesse. Danny, I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. Met at the McZombers Cotillion. That's the Connecticut McZombers, of course. You bonded over not being dead? It's my favorite quality in a person. Know where he is? On his way to Monarch Studios. The movie loss? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. The construction guys who are all zombies? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Things change quick around here. Listen, I was sent by your ma. She's worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, lucky they've got Mother Jessie to look after them, eh? I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. I'll walk you back to your door if you like, darling. I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. Fair play to you. All right. Good luck. Voilà. Suivez Michael jusqu'au Monarch Studio. Oh putain. Il faut là, lui. Ouais. Bon, du coup, c'est relou parce que j'aimerais bien les terminer l'autre quête. Monarch Studios. The hell were you going there for, Michael? Alors, attendez, du coup, on va aller voir l'autre pièce que je vous disais. Donc, il y avait une pièce à gauche, là. Ok. Bon, bah, il n'y a rien. Ouais. Sur le terrain. Ça m'a marqué qu'il y a des ennemis qui étaient morts en dessous, là, j'ai vu. D'aller en contre là-bas. Pas moyen de rentrer dans le bâtiment. Voilà, ça veut juste être des ennemis ici. Et puis il y a un mal à barre. Du coup. On est dans la zone précédente, hein. C'est pas très grave, même s'ils mettent qu'il y a la quête, je sais pas quoi là. J'aimerais bien quand même terminer la quête qu'on a commencé sur la précédente session. Quoi. Et puis en même temps, du coup, ça nous permettra de récupérer une arme unique. Il me semble que c'est une arme unique. Ah, c'est pareil, cette propriété, je serais bien aller la visiter, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y rentrer. C'est peut-être des propriétés qui souffrent par la suite. On ressent dans l'histoire. Comme on a pu voir dans l'épisode où on avait fait à l'hôtel,
Elle est bizarre comme elle s'est élevée. Celle qu'on avait... Ah voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas marqué comme quoi on risque d'abandonner la quête. Ouais, quand on était à l'hôtel, en fait, autour de la piscine, il y avait une pièce, en fait, qui était fermée. Et le fait d'avoir résolu, avancé dans la quête autour de la piscine, ça a fait automatiquement ouvrir une porte. C'est peut-être la même chose, là, pour la propriété. Voilà. Alors... Du coup, ça c'est la villa de machin. Ah oui, c'est là. Goat. Du coup, je vais traverser là. Puis on va redescendre un peu. Et du coup, après, bah, il faut qu'on cherche dans la maison, en fait, le fameux hobby. Là. Il a été zombifié, il faut le tuer pour récupérer ses clés. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faudra qu'on repasse vite fait chez Emma, comme ça j'irai revendre un peu des armes qui me sont pas utiles. On en profitera pour lui acheter des fusibles. D'ailleurs, on va plutôt faire ça. Je vais d'abord y aller, puis on y repassera une deuxième fois pour lui racheter une nouvelle fois des fusibles. S'il a renouvelé son stock entre temps. Ça vaut le coup de garder celui-là. Batte de baseball. On va garder l'autre. Elles ont une stat particulière. Ouais, ça d'ailleurs, je vais le stocker parce que je trouve pas ça terrible comme arme. Ouais, puis là, c'est bon. Bon, allez, ok.
Voilà. Alors, on va voir la piscine. Il y a un gros... Ouais, du coup, il y a la licorne et la pizza. Contaminé. Écraseur. Contaminé électrique. Par contre, j'espère qu'il ne faut pas activer la quête pour qu'elle apparaisse. Bah, c'est lui. Obi. Ouais, c'est bien lui. Ouais, bon, du coup, je l'ai trouvé là, mais je pense qu'il était apparu plus par là. Peut-être là-haut aussi. Obi's boosted heirloom sword. Soon to be my boosted heirloom sword. Ouais, bon du coup on va remonter. Attendez voir Carlos là, voir si on peut lui racheter les fusils. Permettra de vérifier du coup si ça se réinitialise aussi rapidement son stack. Ou si bah il faut attendre en fait, peut-être quitter la zone. Je sais pas comment ça fonctionne. J'y suis où là? Ouais, c'est bien là-bas. Carlos, non, ils n'en vont pas. Donc, ouais, je pense qu'il doit falloir changer de zone pour qu'il réinitialise son stack. Allez, du coup, on est reparti. De me frapper, c'est con. Beverly Hills. Allez, on va récupérer cette épée. Ensemble. Après, bah, du coup, on enchaîne, on va aller vers les studios Monarch.
d'eau. Ouais, rafraîchit les idées. Alors que je coupe le truc derrière. I was right. It basically matches my top. It would be a crime. C'est quoi ce logo et une quête annexe qui s'est activée? Alors, c'est cette épée là, épée d'officier électrocution. On peut encore un peu l'améliorer. To leave it here to rust. Attendez, je la remontre juste vite fait. Histoire d'avoir une image pour faire une image d'illustration pour la vidéo. Voilà, voilà. Du coup, ouais, y a une quête annexe, mais on verra ça plus tard. C'est la quête principale. Du coup, on va équiper. Ah, bah, elle est là. D'ailleurs, il y a un atelier, là, on va l'améliorer vite fait. Bah, je vais faire comme l'autre, je vais augmenter la durabilité et augmenter les dégâts. Et ça réduit la durabilité. Ouais, du coup, ça c'est une arme unique. Bon, ça mange bien. Comme je les ai fumés là. Elle explose pas la bagnole. Les bidons, enflammés là aussi. Bref, bon voilà, on va ce qu'il y a dedans. Alors du coup on est où? Continuer par là. Tiens, là-bas il y a un autre truc avec un fusible. S'en occuper vite fait. Monarch Studios. The hell were you going there for, Michael? On est à l'étage. Bizarre qu'il y ait autant d'échafaudages et qu'on puisse remonter dessus. En plus, là, il y a une caisse qu'on peut. Ah, bah, c'est par là. Ah,
garage. L'âme croissant. Ouais, c'est une espèce de point américain, je crois. De l'âme. Bah ouais, ça a pété la gueule. Crowd's getting angsty. Missing Jesse's beat, hein? Carte de la zone morte. Passcard. De ça parce que j'ai vu qu'il y avait un truc là. J'essaie de faire une capture qui est après facile à repérer où est-ce qu'on est. Alors ça commence. T'es le con. Chris en crise. Voilà. Bon du coup c'est bon, on a la carte. On va dans la zone à côté. Type d'objet à lancer. Bombe tuyau. Bon, après c'est des trucs, c'est sur notre trajectoire de passage, donc je pense que c'est facile à récupérer. Jamais. Du coup c'est quoi? Oh, c'est une bombe. Un engin explosif improvisé fabriqué à partir de morceaux de tuyau. Il explosera aussitôt après avoir été lancé. Fucking tourists. Knew I shouldn't have come on a weekend.
en fait de récupérer cette arme. Donc, bien efficace. Zombies, je sais pas où ils sont, ils sont. Hop, on doit péter les gueules. Parfait. Voilà. Les quêtes actives pourraient être abandonnées. Eh, mais vous me saoulez. Hein. Vous me saoulez avec ça. Ça, munitions de pistolet à clous. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas eu que j'ai récupéré des munitions. Du coup, quête. Bah, il n'y a que ça, donc je vois pas pourquoi il me dit. Ah, vous allez me dire que c'est lié à la quête annexe là, qui est là. D'ailleurs, il y a un mec qui. Il y a un vendeur là aussi. Quête disponible. Ouais bah écoutez, je sais pas, je retourne en arrière parce que j'ai pas envie d'avancer si ça me fait sauter une quête. Ouais, je comptais essayer de faire des sessions dédiées à des quêtes annexes et puis d'autres à des quêtes principales. Mais... je crois qu'on va être obligé d'alterner un peu. Quand il y a une quête de disponible, il va falloir que je la fasse tout de suite. Porte abandonnée. J'ai fait. Note sur le frigo. Ils sont en train de me faire là. Ouvrir la porte de sécurité. Ah d'accord, ça m'a fait revenir en arrière en fait. Dans la progression de la quête. Ah, c'est vraiment très bizarre leur système de quête. Hein. Ils sont démerdés, mais c'est pas chou. Nice. Pas nice. Voilà, bon du coup je répare aussi mon arme. Allons voir cette quête annexe. You're good at apocalypses. Stop, stop. You're making me blush. But I'm... hey, I'm not. Roxy and me, staying out of trouble is like a full-time job, man. I've only ever been really good at one thing, and I barely even do it anymore. Gods and whiskey is still something to be proud of. You were the soundtrack of my teenage years. Ouch. And exactly. Like, what have we done lately? I gotta find that spark again, man. Get back in touch with the gods instead of just the whiskey. Oh, Farouk! Gesundheit. Farouk's our producer. He lives next door downhill, like, totally obsessive about discographies. Collects every master tape and unreleased track you could imagine, including ours.
Some of those had real promise. I wonder if... maybe sample them? Hey, I'll be right back, man. Tell Roxy not to worry. Right back? You're not thinking of going out there for feckin' master tapes. I know you're not. I'm not? You're not good at apocalypsing, remember? I'll get your tapes. For one thing, being responsible for a new G&W album would mean bragging rights forever. Oh, kick ass! If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. If either of them are still there and alive, sure. Yes, alors, secondaire Rex, le retour. Chercher les bandes originales dans la maison du producteur de musique. She wasn't too much trouble, yes, by the time I found her. But yes, I can't think. C'est lui le vendeur. She's everything. Il sort 12 vendeurs. Ah, il vend des plans. If you ever need a... Attendez, je vais montrer où est-ce qu'on est. Augmente les dégâts des coups critiques mais réduit les dégâts normaux. Là, ils vendent des fusibles aussi. Ouais, le menu il rame un peu en fait. C'est notre truc quand on quitte le menu, ça rame aussi. Just don't forget the pizza next time, okay? Voilà, très bonne chose de faite. Alors, j'ai vu un peu mon bordel. Ça, je vais le revendre du coup. Ça, faut que je le revende aussi. Ah, et puis il y a ce démon de pneus aussi qu'il faut que je revende. C'est bien ce couteau que j'ai en double. Voilà. Juste réparer, parce que j'ai vu que j'ai mon katana qui était fatigué un peu. Ah merde, j'ai oublié de refaire ça. Bien d'avoir un système où on peut... Ah mais on peut pas lui revendre, d'accord. C'est ça que je me disais bien. Que je l'avais pas vu. Ouais, donc du coup les armes de base comme ça, le mieux c'est de les démanteler. Quoi. Alors, de récupérer un peu de matos. Et direction chez Farouk. I bet I could hoist myself up onto that, French rioter style. Sorry, Dave, you weren't much of a bouncer. I'll just let myself in. Listen to some of these last tunes. Ouais, c'est vrai que du coup on était déjà venu visiter ici, puis pour rentrer en fait on avait mis une batterie dans un générateur à l'extérieur qui avait fait exploser en fait ça et détruit la caisse et libérer la porte. Oh, d'où lui. Chiant ces zombies qui sortent de nulle part. Là.
Hey! Puking excellence is on this one. Proper old school party track, that is. Bon, en fait, j'ai pas vraiment besoin de montrer où j'étais. Oof. Safety in numbers does nothing against just one little zombie nibble. Oh well, time for a jam. Livreur. Un type de zombie. Putain, ça rame. Ah, c'est les effets de flamme, je pense que. Bah, sprinter, livreur. C'est un livreur Uber Eats. Les sprinters livreurs portent un sac rempli de barres protéinées et de boissons énergisantes. Très bien. Voilà, fini le ménage. La dernière. Celle-là, faut que je la monte parce qu'elle fait partie des collectibles apparemment. Ouais, mais d'accord, en fait, c'est directement là. Ouais, c'était celle-là qu'il fallait lui ramener. En fait. Les autres, elles étaient optionnelles. A century, here we go. Ouais, bon, bah voilà, du coup, on a fouillé. Fermez la caisse. Ricky. Ricky, me boy, the roving music historian has returned. Oh, hey, I don't remember calling a... Do we have an interview scheduled? An interview? No, you rampant waste of oxygen. I'm back from having, at great personal risk, mind, recovered your stupid master tapes from your stupid producer's undead house party. Farouk's? Oh, man, Dave's gonna be, like, heartbroken. On which note, I bear startlingly similar news. Oh, sad note, man. Like, ballad worthy. There was this one track we laid down and... Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. What an unexpected coincidence. This is fucking awesome, man. I'm gonna... Qui est tellement défoncé qu'il se rappelle même pas qu'il m'a demandé d'aller récupérer, quoi. You know, some real gems. Alors, un ravage de l'alcool, quoi. I think... Hey, thanks. You're like a guardian angel of rock. I suppose that's something to put on my business cards. Ah, yes. Nouvelle carte. Compétence. Du coup, c'est une carte de tueur. Sans pitié. Et on enchaîne. Attaquer un zombie qui porte un effet d'état nuisible donne un bonus modéré de dégâts. Ça, c'est quoi? Tuer des zombies d'affilée rend de l'endurance. Ouais, peut-être plutôt mettre celle. Ouais, carte niveau 10, et lui il nous a refilé en récompense. Une arme. On a gagné 100 récompenses, je pense.
Super châssis électrocution. Alors d'être pas trop mal. On va avoir une bonne allonge. Mettre à la place de la pelle. Ouais, c'est ça. Faire châssis fois 1. Donc du coup, c'est bien ça. On a eu en récompense de la quête. Shit. You call this a party? Ouais, bon bah voilà. On va aller refaire la quête principale. Ah ouais. J'espère qu'il va pas défoncer la porte. Ouais, bon, du coup, il va falloir se retaper le passage là. L'espèce de. La voie, la route là. Derrière la barrière où il y avait plein de zombies. Et j'ai bien peur qu'ils nous fassent réapparaître les zombies. On avait quitté la zone. Tourists knew I shouldn't have come in a weekend. J'ai même pas vu qu'il était sorti. Merci. Ça, je lui activerai les grenades en mettant un coup de pied. Voilà. Bon, ça, du coup, on est quand même avancé rapidement. Un autre. Allez, on va découvrir la nouvelle zone. Pour être abandonné, blablabla, quoi. Je vois pas quelles sont les quêtes actives, mais bon. Je comprends pas. Franchement, ils sont débiles, ce système-là. Ils mettent attention, vous pouvez risquer de perdre, d'abandonner les quêtes, mais ils nous disent même pas quelles sont les quêtes. Ah, du coup, on se retrouve de nouveau dans la nuit. Alors, voyons voir la carte. Objet collecté. Ah ouais, ça doit être ça. C'est le plan qu'on a acheté tout à l'heure. Ouais, ça doit être ça. Juste que j'avais pas pris le temps encore d'aller voir. Bah, c'est chiant, il y a la coche comme quoi à l'inventaire, il y aura un truc que j'aurais pas vu. Et en fait, bah si, on a trouvé.
Alors, voyons voir la carte. Ah bah, c'est la fameuse carte qu'on avait trouvée dans la chambre, là. La carte des studios. Ah, ça va être sympa, du coup. Si on va dans les différents studios, les ambiances vont être bien différentes à chaque fois. En bas, il y a marqué quoi ? Food. Disponible. Ah ouais, il y a un petit paquet de zones, hein. On a un truc 3 pour l'instant. Allez. Monarch Studios. Movie lots up ahead. You better. Ok, du coup on vient de récupérer une carte. Ah non, emplacement de compétences vignes. Bah du coup, en fait, on a juste gagné un emplacement supplémentaire. Avec les glissades, je les fais pas. Si une trousse de soin déclenche une forte explosion, ouais. Ouais, on va mettre ça. Ouais, faudra que je vérifie que c'est bien ça qu'on avait déverrouillé. Un nouvel emplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bah, rentrer, pardon. Ah bah, s'il n'y a qu'un seul. Ok, glacière, clé de glacière d'un agent de sécurité. Ah, entre par là. If I were a Michael, where would I be? Ah, c'est chiant de pas pouvoir fermer les portes. Je trouve ça vraiment débile. Emmerdez-vous. Là-dedans.
Ouais, bon, il y a l'air d'avoir d'autres. Zombie qui est juste à côté de moi. Narc Studio, on lèche la dinde. C'est un film. Ah, les sprinters, on a fini. Les sprinters sont agiles et vifs, ce qui leur permet d'esquiver les attaques puissantes. Il me semble qu'elle s'est transformée là. Devant son miroir, elle a posé de vie, gerbe. Ah. Clé du plateau numéro 7. Keys, so good of you to find me. Là-bas, il a l'air des trucs à récupérer. Ah, c'est une carte de compétences. Compétences tueur. Frappez à terre. Vue dégagée, faire tomber un zombie à terre donne un bonus modéré de dégâts aux armes à distance, lancer d'armes et objets à lancer. Montrer où je suis quand je récupère le collectif. Journaux. Jour numéro 1. Space Fox 2250. Le flux en direct. C'est un truc qui est diffusé en direct sur le net. Alors, continue de fouiller. Passage. Intéressant le râteau. Ah,
du bâtiment là qui doit nous permettre d'arriver dans cette cour. Voilà, on arrive au bout de fouiller dehors. Doors barricaded from the outside. Someone was getting chased. Maybe even our little chancer. Holy Jesus. Can't resist a fancy set of buttons. Moteur. Activate. Marqué quoi? Requis courant électrique. Faut être bien le courant. Ah. Damn door's blocked. Should be a way through the soundstage. Maybe I can pick up Mikey's trail on the other side. Dessus, je pense. Je vais finir tout fouiller par là. Tu crèves, oui. Now that's a feckin' door. Il y a des zombies là-haut. Comment je peux rentrer où il est là? Merde. Je ne dois pas avoir moyen d'y aller. Il va falloir réactiver l'électricité pour ouvrir la porte. Alors, on va aller faire un tour là-haut. Alors ça c'est quoi? Détachement du rail des projecteurs. Okay. Effet spécial pluie. Et effet spéciaux porte du temple. Abracadabra! Home for the party, lads! Qui arrive au fond à lui faire tomber le projecteur sur la gueule. Ça j'aime bien, vous voyez, parce que ça c'est du vrai game design en fait, moi du level design. C'est vraiment bien pensé. Et du coup voilà, ils ont réfléchi au fait
d'utiliser l'environnement, de créer des zones un peu spéciales où justement on va pouvoir créer ce genre de lien. Ça l'intéresse pas. Faire électrocuter. Et voilà. Ouais, juste un vieux démon de pelure. Du coup, la porte, elle s'est ouverte à droite. Donc... Wakizashi. Ah, door leads straight back to reality. Boring. Bien ce que je comptais faire, de toute façon. Faut-il explorer. Ah, établi. Voilà, c'est là où ça doit donner sur le petit cours que j'avais vu à l'extérieur. Fusible. Pied de biche rare. Voilà, désactiver le piège. Buried in a fancy pants tomb. Changement d'ambiance. Ouais, du coup ils sont genre habillés en espèce de, je sais pas comment dire, espèce de d'indiens, des Incas ou je sais pas ce que c'est, des Mayas. Il y en a un qui me suit. Any talent scouts lurking about? I think you just found your new leading lady. Il y a un ingénieur du son.
L'événement du dieu araigné. Ouais, c'est le film qu'on est en train de traverser. Locked. De l'autre côté. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Les spéciaux pluie, détachement de rails des projecteurs. C'est à peu près la même chose que ce qu'il était avant. Oh, it's that plastic sludge shite again. Pour nettoyer tout ça. Those ghouls were dissolving bodies here too. Ouais, je observe bien mon environnement pour voir si je le prends. Côté. Mmh. Ouais, sans plus d'histoire. Coffre d'accessoires des Space. Ça, les vieux zombies là, ils sont sous les strades là. Juste pour venir récupérer ça. He's really getting his money's worth out of those kitchen knives. Ouais, toujours bien pensé à ouvrir les raccourcis parce que sinon il va falloir refaire tout le tour. Ça c'est un autre film aussi je crois. The Badges. Agent de sécurité. Ah bah voilà, comme ça on va pouvoir récupérer la question. C'est bien ça. Ouais. Juste que je regarde vite fait sur la carte où est-ce que c'est qu'il y avait le truc qu'on doit ouvrir avec. Ce coffre. Ah oui, c'était ça, c'était dans le truc du gardien à l'entrée. Ouais, par contre,
peux l'ouvrir. Par le bas derrière. Et puis du coup, je vais quand même essayer de terminer cette quête sur... comment ça s'appelle ? Sur cette session. Matraque de police nuisible. Ah, mauvaise cette matraque. Pardon. D'ailleurs, on va regarder à quoi elle ressemble vite fait. Matraque. Manche renforcée, nuisible, augmente les dégâts. Quand je l'aurai un peu amélioré, parce que là, j'ai déjà suffisamment d'armes différentes. Allez, on va continuer à explorer les studios. Footprints. How kind of him. Ah, des traces de pas. Où il a marché dans la peinture. Ouais, du coup, là... Il n'y avait plus les traces de pas. Please tell me you didn't go down there, Mikey. On a pas l'air d'avoir des gros ennemis. More footprints. Either he's smart or just plain clumsy. Il est donc bien parti dans cette direction. Please tell me you didn't go down there, Mikey. Ah bah voilà. Le principe de pouvoir éteindre les flammes là avec la petite bombe qu'on a, excellent. Ça, c'est des trucs tout cons, hein, mais à jouer du coup, c'est vraiment très cool. D'avoir ce principe avec les. On s'appelle bah, avec les éléments quoi, les attaques élémentaires qu'on puisse les utiliser, machin. Les faire se répandre sur le sol, etc. C'est vraiment très cool. Du coup, c'est un pied. Ouais, c'est un truc comme ça, j'en ai déjà. C'est là. Alors, bon, c'est quoi, je trouve ce Michael. Maybe I'm not the only one following Michael. Ah.
50 nuances d'acajou. Merde. J'ai pas vu où est-ce que c'était. Ouais, je fais gaffe de pas les ouvrir comme ça les trucs. Directement par le menu. Me prendre les devants parce que je me dis que peut-être des chances que je déclenche l'alarme sans faire gaffe. Je vais me virer dessus, je sais pas si. Ah oui, c'est la fameuse explosion qui se génère quand j'utilise une trousse de soins. Dangereux comme truc parce qu'il y a moyen que ça déclenche les alarmes. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, accessoires Space Force, clé des accessoires de Space Force. Space Fox plutôt, pas Space Force. Cette vieille soupe caustique dégueulasse. Hein. Ah, ça se donne pas. Hop, Mikey, god damn it! Hop for your life! His leg grew back. Clever though. Zombies don't notice footprints. Michael! Ah putain, Michael! Encore dans un autre hangar. Un autre plateau de tournage. Juste aller voir vite fait à gauche. Wow, didn't know he had it in him. Pour ouvrir la valise là. Ouais, bah il y a peut-être moyen du coup qu'on tombe sur un nouveau boss. Ah, succès déverrouillé. Ah, de bibliothèque. De récupérer un certain nombre de journaux. Plus sans affinité. Toujours fouiller les recoins.
C'est la base dans les jeux vidéo. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un plan là. Attendez. Voilà. L'avantage hécatombe. Il génère des dégâts, je crois, quand on attaque. Des dégâts, des saignements. C'est ça. Dégâts aux membres. Il augmente les dégâts aux membres et la durabilité. En profiter. Réparer. Il est plein de chez plein. Là, c'est vrai que j'ai pas utilisé cette arme encore. Perdre des dégâts hémorragiques. Ouais, on va plutôt mettre ça, je pense. Les coups de matraque, c'est plutôt, ça correspond mieux. Puis on va prendre ça. Ouais. En plus, c'est bien ce truc hécatombe parce que ça a pas de malus. Hein. Ça augmente des stats mais sans en diminuer. Contrairement aux autres. Et hop, ça rame. Ouais, c'est chiant. Yeah, you keep them out, Mikey. And me. But I can deal with that. Ouais, du coup, il y a moyen qu'on tombe là-bas dessous et puis il va y avoir un affrontement contre un ennemi particulier. Only way is down. Prenez l'ascenseur. Ouais, mais d'abord on va fouiller. Je sens que quand on va activer l'ascenseur, il y a peut-être bien tout un paquet de zombies qui va débarquer. Ça fait quoi? Extincteur du bureau. Ouais, ça fait couler de l'eau là. Ouais, bon bah allez. Tenez vos nouveaux ennemis jusqu'à l'arrivée de l'ascenseur. Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? De laisser avec une autre arme. Voilà. Ah d'accord, elle met des coups de... Ah ouais, bien. C'est l'attaque chargée en fait. Elle fait un espèce de dash. Hop.
Finally! Took your time, all right. Bah voilà, parfait. Compliqué. It was fake. Sauver Michael du monstre. Quel monstre? Celui là-bas? C'est bien l'air de nous dire d'aller là-bas. Mais vas-y, rame. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un petit établi. Arrêtez de ramouiller le jeu, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Voilà. Studios. Ça.
récupérer. La clé mort. Bon, après la clé mort, on en avait déjà une, je crois. C'était une verte. Et je crois que je l'ai déjà revendue ou sinon je l'ai peut-être mis dans le coffre. Ouais, je vais retourner vite fait à l'atelier. Il y aura la clé mort. Donne un bonus mineur aux dégâts physiques. Les coups successifs appliquent aussi l'affaiblissement. Bon allez, on fait la merde. Dégâts aux membres. Et augmentation des dégâts. Ellie, on va aller sauver Michael. Puis après, bah du coup, je pense que j'arrêterai là. They were shooting a new Kim Canaveral movie. Oh, maybe if I ask Mad nicely, Emma will let me be an extra. Merci. Elle dit des commentaires sur les autres aussi. Ah, il y a moyen d'actionner des trucs là, ça va être sympa le combat. Je pense. God, I hope zombie spiders aren't a thing. Non, ça, ça fait un mec quoi. C'est pyrotechnique, c'est spécial pluie. C'est pyrotechnique, effets spéciaux venin d'araignée. Il y en a plein. Effets spéciaux venin d'araignée. Love what you've done with the place, Em. C'est pyrotechnique, effets venin d'araignée. Là aussi, on a un. Cascade explosion de camion. Quand je dis que ça va être sympa le combat. Ça me rappelle un Hitman, je sais plus dans lequel c'était. Il y avait le même genre de principe, il y avait une scène de cinéma qui allait se faire et en fait on pouvait piéger les accessoires pour bah, tuer notre cible. Alors, on va finir sur le tour. Ça va être fermé. Voilà, voilà. Allez, on va se lancer ce combat. Ah putain, le boulet. What are you doing here? What are you doing here? Hey, I came to get. I'm. Oh, we're in trouble. Look out! Go right! I've got this! C'est dégueulasse. Il se décompose dans mes mains. Ah, c'est lui là qui balance des trucs. Tout de suite, aller déclencher le truc des camions. Bah, ça a blessé un peu. C'est pour ça qu'il y avait des vieux trucs de machin caustique. C'est à cause de lui. J'ai quasiment buté. On peut faire mon jeu. J'ai vu qu'il avait des trucs explosifs dans le dos. Contaminé incendiaire. On va
Ouais, c'est celui que j'ai fait péter, tu vois, vous voyez, avec le truc dans le dos. Là. Je vais le faire tourner. Voilà. Et c'était le baveux, un nouveau type de zombie. Du coup, bah, y a moyen qu'on les recroise aussi. C'est... Les baveux sont boursouflés d'une infâme bile caustique. Ils vomissent sur leur victime. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Après, c'est un plan. Un incendiaire. Allez, éclore à la gueule, s'il te plaît. Bon. Candidat au suicide. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un plan qui était tombé quand j'ai éliminé le boss. Ah ok, mode liquidateur, donc c'est pour ajouter des dégâts caustiques à nos armes. Très bien. Implique aussi l'effet liquéfié. Yes, bon ben voilà. Parle à Michael. Oh, I've never seen so much vomit outside a nightclub alleyway. How are you getting on? I'm fine, just a bit hot. Mikey, I'd take it out of your hide if this was all for a Romero. Emma's Romero, but I... No, of course not. Look, medical supplies. Is someone ill? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. Sure, and you are at that. Nice one, boy. Emma means a great deal to you. She's given me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. You can help her. We can all get out of LA. But she won't do the right thing without your advice. She could do anything. Prove it. Get back there and set her straight. Sure. Okay. Hey, you're there? It's Sam B. Sam, how's the form? Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some gun. Oh, you know just what the ladies like. No doubt. Come meet me. Yes. Let's get you back first. Can't have you get... I'll be fine. Just go get those guns. Récupérer des armes à feu, ça fait plaisir. Sure? Mm-hmm. Right, you handle Emma. I'm off to go full American. Pour attaquer un peu les ennemis à distance sans juste leur balancer des trucs à la gueule. Quoi. Alors, déverrouiller. Nouvelle carte. Quête accomplie. Et on a activé une nouvelle carte. On va aller là-bas. Du coup, regardez les compétences. La nouvelle carte qu'on a chopée. Droite au but, on canarde. Toucher avec un objet à lancer déclenche un bonus de recharge cumulable. De recharge, ça doit recharger les armes à distance. Ou c'est pour recharger les armes, les flingues. Je ne sais pas trop. Les clés, ça c'est le truc qu'on a trouvé tout à l'heure. Ouais. Bon bah voilà, hein, parfait. Now how do I get out? On va arrêter là, et puis une session. On va continuer la quête principale, de toute façon il n'y a que ça à faire. Et puis je verrai si on trouve, peut-être qu'il y aura encore des quêtes annexes à faire sur le chemin. J'ai juste regardé vite fait la carte, s'il n'y a rien d'autre qui est apparu. Juste des coffres et puis des fusibles, mais bon, ça on verra ça plus tard. Voilà. Écoutez, j'espère que cette session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Dead Island 2. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao.